Bonjour à tous, c'est Richard62 pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un coffret Pokémon que j'ai acheté. Et alors déjà de une, j'ai changé ma déco un petit peu. Je sais pas si vous avez remarqué. Ici j'ai rajouté une petite étagère pour ranger mes cartes. Voilà, mon fond d'écran là-bas a changé. Et vous allez deviner pourquoi. Donc il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un coffret Pokémon. Et normalement c'était pour Noël, mais bon. Après mon père il a dit que je pouvais le déballer comme j'en aurais deux. Voilà, donc je l'ai déballé tout de suite parce que je voulais quand même voir ce qu'il y avait dedans. Donc dedans, il y avait un booster de Darumacho. C'est des pouvoirs émergents noir et blanc. Un guerrier-aigle. Et Fulguris. Après, il y en avait aussi un de Colbatium. Mais comme je l'avais déjà, eh ben, je ne l'ai pas rajouté. Voilà, et puis... donc, je voulais tout trier. Là, c'est les communes, les peu communes, les reverse, les rares ou ultra rares. Voilà. Ensuite, ce qui a changé aussi, c'est ça. J'ai trié quasiment toutes mes cartes. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet. Et je les ai triées selon leur collection. Puis je les ai mis avec le petit numéro. Voilà, bon bah, commençons. Alors déjà dedans, il y avait 40 cartes. Plus une carte promo. Et une figurine. Mais les figurines, la figurine et la carte promo, je préfère vraiment vous la montrer tout à l'heure. Parce que ça vaut vraiment le coup. Bon. Déjà, statistique. Pochigeon. Gradure. Tout ça, c'est les peu communes. Un second Pochigeon. Un Doudouvé. Un Mascaïman. Un Nodulite. Encore un Nodulite. Un Flotajou. Un Scrutella. Un Mascaïman. Un Chauve-Sourire. Un Ratatif. Un tic, un gradure, encore un gradure mais pas dans la même forme, un rototop, un polarum, un venipat, un feuillageou, ça c'est le numéro 1, et l'arvaillette. Voilà pour les communes. Maintenant passons aux plus communes. Alors, scobolide, couverdure, pachemien, mesmerello, Géolite, Zorua, Super Ball, Dresseur Super Ball, Pachmina encore une fois, Norméoui, Noacier, Caraclé, dans l'ancienne version c'était rare, mais là c'est un peu commune, et Géolite. Les échanges sont possibles, mais dans les reverse, par contre, vous allez voir ce que j'ai, c'est vraiment magnifique. Donc déjà, Mesmerella en reverse, avec tous ses petits yeux là. Ensuite, Nodulite, avec tous ses points combat. Ensuite, Pochigeon, avec toutes ses petites étoiles à color. Et vraiment là, j'étais vraiment contente, j'ai content, parce que voilà pourquoi. Un Colbatium. Reverse. Je sais pas si vous voyez très bien, mais avec tous les métals là qui apparaissent, je vous le dis, il y a tout le diamant métal qui apparaissent. Elle est vraiment magnifique. Donc déjà, une ultra rare en plus en reverse. Maintenant, passons aux rares et les ultra rares. Aida. Colbatium. Ultra rare. Voilà. Donc maintenant, j'ai deux Colbatium. Un Colbatium reverse. Et un Colbatium ultra rare. Voilà. Un bout du trait. Et encore un Zoroark. Voilà. Bon, bah maintenant j'ai deux Colbatium et deux Zoroark. Mais par contre, pour les Colbatium là, ceux-là, je sais pas si je vais vraiment vouloir les échanger parce que un Colbatium reverse et un Colbatium holographique, vraiment. Bon, je verrai bien. Proposez-moi si vous voulez faire un échange avec. Des cartes que j'ai et que vous n'avez pas.
Voilà. Bon, ensuite, passons à la figurine. C'est vraiment très très classe. La figurine de Reshiram. Voilà. C'est vraiment très belle. Je la mets là pour le moment. Et vraiment, là, j'étais vraiment content d'ouvrir cette boîte. Surtout pour cette carte-là. Oh, elle est vraiment magnifique de chez magnifique. C'est la carte du booster. La carte de Reshiram. Reshiram holographique du booster. Quand je dis du booster, c'est parce que je vous la mets là pour l'instant. C'est parce que c'est la même image que sur le booster. Voilà. Je l'ai pas eu dans un booster, je l'ai eu dans le coffret. Voilà, vraiment, je suis vraiment content là pour cette carte. Mentally Or tombe à la renverse, même. Pauvre Mentally. Eh ben, même Rachirami en tombe à l'envers. Voilà, bon ben, vous devinez bien. Excusez-moi. Vous devinez bien que je vais bientôt changer mon fond d'écran. J'ai fait ça exprès. Tac, le Lugia, il va partir là avec le haut. Voilà. Ensuite, le Reshiram, je le laisse là. J'allais mettre la figurine de Reshiram là. Eh ben. Le écran, j'allais le mettre sur la figurine de Reshiram. Voilà. J'avais déjà fait un test, hein. Ça marche très bien. J'allais mettre un Zoroark là. Bien sûr, le neuf. Le Colbatium holographique. Et j'allais aussi mettre, devinez quoi? Eh bien oui, le Colbatium réserve. Voilà. Bon ben, je vous rappelle, les échanges sont possibles. Voilà. Oh, je crois que j'ai fait une petite erreur. Oui, je crois que vous avez tous deviné que je ne voulais pas mettre ce Colbatium. J'ai seulement dépensé en regardant le pauvre Reshiram. Voilà, je vais mettre toi. Je vais te mettre là. Voilà. Les deux Reshiram côte à côte. Un Reshiram ultra rare que j'ai eu dans cette boîte avec le Zekrom. Voilà, j'étais vraiment content de l'avoir. Mon anniversaire et le Reshiram holographique vraiment magnifique. Voilà, bon ben si vous voulez vous m'enverrez des messages pour vous pour que je puisse vous me demanderez une collection et puis je la prendrai pour faire une prochaine vidéo. Voilà. Et ici, j'ai trouvé une nouvelle collection de cartes Pokémon. Je sais pas, parce que c'est ma cousine qui m'a donné des cartes. Et dedans, j'ai trouvé un Pomme d'Épic. Avec, regardez ici, je sais pas si vous voyez bien. Non, on voit pas sur la vidéo, dommage. Mais ici, il y a une sorte de petit fusil. Je sais pas, attendez, je vais faire quelque chose pour que vous le voyez. Non, dommage. Ouais, en fait, c'est une. C'est. Tac, c'est comme ça, un bâton comme ça, et puis un rond. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, bah. C'était Reshiram 62, et à plus pour une nouvelle vidéo.